toujours le meilleur au monde. J'ai besoin de ton aide. Le mystère s'épaissit. La famille Catledge mène une vie mondaine en Provence. Mais il y a une jeune femme qui est parvenue à leur faire croire qu'elle est médium. Et comme tu es le plus grand démystificateur de faux spirites... Mais moi, elle ne me dupera pas. Sophie a plongé ses yeux dans les miens et dit des choses sur moi qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie. Divinatrice et divine à regarder. Je perçois une impression mentale. Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient? Sachant que tu es Wailing Sue, c'est sacrément épatant. Vous êtes une sacrée petite marchande de vent. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines? Stanley ne croit pas aux spirites. Il vous tient tous pour des fripouilles. Elle est plaisante, même si elle cherche à faisander. Mes impressions mentales sont nébuleuses. Des cumulonimbus ou des cirrus? Je vois que vous vous moquez de moi. Ce monsieur Taplinger est réellement désagréable. Mais il n'est pas dénué de charme. Je crois savoir que nous aurons droit à une séance. Ce soir, les planètes sont bien alignées. Je vais tenter d'invoquer le monde immatériel. Envoyez-nous un signe. Plus je l'observe et plus j'en reste pantois. Serait-elle authentique? Je commence à avoir des doutes sur mon bon sens. Vous êtes pétri de certitudes sur le monde qui vous entoure. Et j'ai toujours essayé de vous enseigner que nous ne savons rien. À présent, parlez-moi un peu du passé truculent de Tante Vanessa. Peut-être même un parlementaire. Continuez. Une histoire d'amour. Elle n'a aucun moyen de savoir cela. Je suis sans voix, Sophie. Vous êtes plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait rien du tout après la tragique et morne réalité de la vie, alors que vous êtes la preuve qu'il y a autre chose. De mystérieux, de magique. On va mourir! Ma tante m'emmenait ici quand j'étais petit. Il y a un toit qui s'ouvre. On voit l'univers. Il est menaçant. Vous trouvez ça menaçant? Je dirais que c'est plutôt romantique.